Salut à tous, c'est Macradan, on se retrouve pour un nouvel épisode en Minecraft 1.18.2. Donc la dernière fois, on avait fait ce breeder qui fonctionne assez bien. On voit qu'il y en a même des qui sont contents là en bas puis qui font des bébés en bas. C'était pas tellement prévu, mais c'est pas grave. Et aujourd'hui, on va construire la ferme à faire. Donc c'est une ferme qui est normalement en 4 modules. Aujourd'hui, je vais faire un seul module. Ça prendra déjà un petit peu de temps. J'ai déjà commencé un petit peu à préparer là-haut. Et je ferai les modules suivants en hors caméra. Et j'ai oublié de mettre les shaders. C'est mieux avec. Alors, qu'est-ce que je vais avoir besoin comme matériel? Donc, c'est assez basique. Alors, j'aurai besoin d'un name tag. Je l'ai ici. Je vais aller chercher juste avant. Le modèle que j'ai pris, ils utilisent du polished granite pour différencier la partie où c'est que les golems vont spawn et la partie où les villageois vont attendre. Donc du verre, des fence gates, de la lave, il faudra de l'eau également, mais ça, j'aurai pas trop de problème pour la récupérer. Des lits, des panneaux, les chests. Donc pour l'instant, vu que je fais un seul module, la partie fonderie, la partie où c'est que ça tue les golems, sera faite uniquement en dessous de l'usine. Par la suite, quand j'aurai les 4 modules, bien sûr, je vais les relier de manière à avoir quelque chose d'un peu plus esthétique. Donc, en haut, j'ai déjà amené des villageois, vu que c'est toujours un petit peu galère à déplacer. Et l'usine va s'étendre dans cette direction, c'est-à-dire qu'il y aura potentiellement un couloir par ici qui amènera sur la salle de récolte. Alors, normalement, j'ai tout. Je vais pouvoir me rendre là-haut. Donc, il me faudra également un zombie ou un dronette, ça ira très bien. Qui sera capturé et avec... recevra un name tag, pas qu'il despawn. Sans moi, j'ai laissé les villageois là-haut. Heureusement qu'il n'y a pas eu de spawn la plateforme. J'ai pas été très prudent. Alors, je vais pouvoir commencer tout de suite en plaçant un bloc ici. Pas mettre de granit, je vais mettre la deep slate. Donc là, ça va être le premier angle. En ce temps, je prépare toujours mes fameuses feuilles de triche, plutôt mes screenshots. Donc on va faire dans cette direction 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et on va également aller dans cette direction. Que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je peux compléter la plateforme, enfin les murs. La plateforme va être juste en dessous. Donc il y aura 2 de hauteur, j'espère que j'ai pris assez de deep slate, autrement j'irai vite en rechercher en bas. Non, je pense en avoir assez, c'était pas le cas. Bon, je vais juste faire un petit aller-retour. On met les palmes parce que ça va plus vite. Je me trompe un peu de touche parce que j'ai... En ce moment, je joue à Planet Crafter. Et Planet Crafter a certains points qui ressemblent à Minecraft, mais en tout cas, au niveau des commandes, c'est pas du tout le cas. Et du coup, j'ai tendance un petit peu à appuyer sur les boutons qui correspondent à Planet Crafter. Alors, la Deep Slate, on va prendre assez. Et vu que je suis là, je vais directement... renommer
mon name tag. Voilà. Zombe. Bon bah. J'ai oublié une lettre, c'est pas grave. C'est bon, ils sont pas morts. De toute façon, normalement, si un villageois meurt, j'ai une alerte qui m'indique qu'un villageois est mort et qui m'indique la position. Tout pratique. Alors, du coup, je vais pouvoir faire le plancher. Comme ça, il y aura bien entendu un trou, et pour ça j'aurai besoin de d'éponges que j'ai mis à cuire en bas. Donc ici, il y a deux. Et les gardiens que j'entends m'inquiètent. Par contre, pour les gardiens, c'est prévu qu'il y a quelque chose qui se passe. Si je désactive, on va peut-être le voir. Non. Bon, en tout cas, j'ai défini la... comment je vais faire mon découpage pour assécher ce temple de la mer et qu'est-ce que je vais faire exactement. J'ai mon schématique qui est prêt pour placer les l'anneau extérieur. Ce sera très long, donc ce sera sans doute un très gros time-lapse qui sera fait sur plusieurs jours. Donc ici, il y aura le trou à cet endroit. Donc un trou carré. Standard. Donc cette plateforme, ça va être la plateforme de spawn des golems. Donc pour les golems, faut savoir, donc ils peuvent spawner si les villageois sont apeurés, ils peuvent faire spawner un golem toutes les 30 secondes sauf erreur, mais avec plusieurs conditions, entre autres le fait qu'il n'y ait plus de golems qui soient dans la zone. C'est à dire qu'il faut toujours se débrouiller pour éliminer, déplacer les golems le plus vite possible en dehors de la zone. Et les golems peuvent se spawner dans une zone de 16x16x13 autour du village. Ils peuvent se spawner avec les pieds dans l'eau, par contre, il doit y avoir un bloc solide en dessous. Donc là, normalement, ils ne vont pas pouvoir spawner à côté parce qu'il n'y a pas de bloc solide à proximité. Et pour les murailles, ça va être simple. Des dalles. Et la nuit est en train d'approcher, donc pour l'instant je vais mettre des torches de prévention. Alors ici les dalles vont pas tout à fait jusqu'au bout parce que les trois blocs ici vont appartenir à la maison des villageois. L'avantage de cette usine, pourquoi je l'ai prise, c'est parce que elle est pas très compliquée à construire et surtout on peut facilement ajouter des modules à côté, il faut juste laisser 16 blocs d'écart entre les différents modules. Alors je vais prendre ma capture suivante. Ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5, pareil comme ça, et ici, ça se rétrécit, et ça vient 2 en avant. Donc maintenant, j'ai toujours assez de deep slate, oui, c'est bon. On va pouvoir continuer le plancher. Je vais mettre juste en dessous. C'est bon, toujours pas de gardien. On voit un petit peu le tracé là-bas du temple. Donc ce que je vais faire avec ce temple, en fait, c'est que je vais faire une usine à gardien à l'intérieur.
les originales. Mais j'ai pas envie de raser la zone. Je préfère avoir le temple qui soit intact. Et donc, je vais creuser tout l'intérieur du temple, construire l'usine dedans, mais l'extérieur donnera l'impression que le temple est préservé. Et il y aura un anneau en verre tout autour qui empêchera l'eau de rentrer. Donc ça va être un gros travail. Alors ici, il y aura un bloc de verre, mais pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Et je mets un bloc ici, ce qui pourra faire venir un zombie. De ce côté, alors je peux fermer de cette manière. Et ici, il y aura donc le zombie qui sera positionné juste à cet endroit-là. Enfermé. Et ici, il y aura les villageois. Alors, je vérifie juste. Je crois que c'est pas mal comme ça. Donc on va mettre des fenêtres pour que les villageois puissent voir dehors et surtout qu'on puisse contrôler ce qui se passe dedans. Je vais les faire venir par ici. Ici, bien sûr, ça doit rester ouvert. Il faut que le zombie puisse avoir envie de venir chercher ses villageois. Et enfin, il faut mettre des lits. Ils n'arrivent pas à passer. Alors, ça marche pas. La torche, elle ira au-dessus. Donc, je peux faire un petit escalier comme ça pour monter. Et commencer à faire le toit. Cette partie est presque terminée. Bien sûr, il faudra mettre les villageois à l'intérieur. Je vais laisser ouvert. Ça, je pourrais attirer les villageois. D'ailleurs, je vais les amener maintenant. J'ai ma pelle, oui. Bord. J'ai pas envie qu'ils partent n'importe où. Bon, pour l'instant, je ne peux pas attaquer. Non, ça a l'air correct. Non, il est pas content. Il a cru que je voulais lui donner un bloc. Alors le deuxième et enfin le dernier. Je me demande si les gardiens attaquent les villageois. J'ai pas envie de vérifier. Bien sûr, je vais détruire tout ça dans pas longtemps, hein, mais
bon, c'est des poissons. Alors, logiquement, les villageois devraient avoir envie d'aller dans les lits. J'ai pas envie de les blesser, par contre. Justement, ce que je voulais éviter. De 2 et de 3. Du coup, je peux refermer ici. Ici. Je peux refermer également. On remet le toit. Donc là, normalement, cette salle est prête. Je vais vite détruire tout ça et je vais pouvoir attaquer la deuxième partie qui va être la partie pour les golems. Alors, on va lui faire un petit escalier. S'il veut aller voir les villageois, ça m'arrangerait. Non? D'après moi qu'il en a? Bon. Apparemment. Il y en a après moi. Je le ferai venir après. Il faut que je termine de ce côté. Il manque une dalle ici. Alors, dans cette salle, on va devoir mettre déjà des fence gates. Donc je positionne une dalle, plus simple pour positionner les fence gate. Bien sûr, il faudra qu'elle soit ouverte. Ensuite, on va devoir faire la chute. Donc il faut une chute de 16. Là-bas, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Parce que 16, c'est en comptant le premier emplacement, enfin le sol. J'ai prévu assez de verre. J'avais
Je savais pas que les dauphins pouvaient se noyer comme ça. Je savais qu'en vrai les dauphins pouvaient se noyer, mais je sais pas qu'ils avaient implémenté ça dans le jeu. Bon alors je vais chercher mes éponges vu que j'en aurai besoin maintenant. Est-ce qu'il y a un autre... pourquoi j'ai essayé de caser ce bloc en fait, parce que de toute façon j'en avais besoin. Alors... donc on a fait les 16 de chute. Du coup on peut encore ajouter... pas de plus. Et alors, est-ce que j'ai bloqué? Oui. Alors, je vais mettre ce... des blocs comme ça, je vais me poser dessus, ça va être plus simple. Donc ici, je vais positionner mes chests. En face des chests, on va mettre les hoppers. Non, raté. Les éponges. Donc ici, je vais pouvoir mettre des panneaux. Donc il y a deux espaces. Donc un panneau ici, un ici et un ici. Et au-dessus des panneaux, des seaux de lave. Ça fait toujours peur de voir la lave comme ça. Je pourrais en mettre qu'un seul. J'aime bien avoir quelque chose qui soit uniforme. Du coup, ici, raté. Comme un air de déjà vu. Je vais pouvoir enlever ces blocs. Je vais laisser celui-là qui me servira de pour me poser pour l'instant. Voilà, comme je disais, la fonderie est faite ici. Par la suite, ce que je ferai, c'est que
En gros, la fonderie sera faite quand même ici. Par contre, il y aura un dropper ou un dispenser qui enverra les items sur un chemin de manière à ce qu'il y ait tous les items qui se rassemblent sur un puits central qui tomberont tous depuis le même endroit. Ça fera un peu esthétique. Alors ici, je peux enlever ça. Je peux me remettre un escalier parce que j'ai oublié de prendre de l'eau. Donc il faut 4 d'eau. Et on va mettre aux 4 croix. Le but, c'est tout simplement de faire un courant qui va au centre. Et la difficulté, ça va être de ne pas tomber. Et le quatrième. Du coup, je peux casser. Et je peux casser également tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite ellipse le temps de déjà qu'il y a la nuit qui arrive. Et aller attirer un droned dans la cage. Et dès que ce sera fait, je vais peut-être faire tourner l'usine après une petite heure. Et puis je vous retrouverai pour la conclusion. Comme ça je pourrais vous montrer en une heure à peu près ce que j'ai récolté. Donc à tout de suite. Alors on se retrouve. Si vous vous demandez pourquoi j'ai un cheval squelette dans ma base, je vais vous montrer une petite vidéo. J'ai eu la surprise de trouver 4 squelettes archers sous l'eau qui se baladaient et qui m'ont attaqué, ainsi qu'une horde de droned. J'ai laissé tourner l'usine pendant un petit peu plus de 2 heures. Donc ça a bien généré, je vais vous montrer tout ça. Il y en a justement un qui est en train de se faire détruire. Donc voilà, en 2 heures on va dire ce que ça m'a donné. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également me laisser un petit commentaire, mettre un pouce vers le haut ou vers le bas, comme vous voulez. C'était la première partie de l'usine. Donc la prochaine fois, déjà je vais compléter hors caméra les modules, histoire d'avoir 4 modules. Et il y aura un petit système avec déjà un tri des items générés, parce que j'ai pas envie d'avoir des fleurs rouges qui remplissent mes coffres, avec une petite éjection histoire d'avoir quelque chose d'esthétique pour retrouver mes objets. Et si j'ai le temps, j'essaierai également de mettre en place une automatisation via le modpack que j'avais créé il y a quelques années, MCR Autocraft, qui permet, comme son nom l'indique, de crafter automatiquement et n'importe quelle recette du jeu. Donc par exemple, crafter un bloc de fer à partir de fer brut. Du coup, je regarderai si j'arrive à mettre en place un petit système pour avoir non pas des lingots de fer qui arrivent, mais des blocs de fer complets.
Donc, je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine. Bye bye.